Salut à toutes, je vous retrouve dans cette dernière vidéo sur la série Qu'est-ce que j'emmène en vacances? Cette partie va être consacrée à tout ce que j'emmène pour me divertir et me faire plaisir. Alors, en tout premier lieu, je vais vous montrer une bougie que j'emmène parce que quand je suis dans le gîte où nous allons là tous les étés en Normandie ou même dans les gîtes où nous allons de temps en temps, j'aime bien qu'il y ait une odeur sympa. Donc j'emmène toujours une bougie avec moi. Alors je n'emmènerai pas mes jars Yankee Candle ou tout mon attirail de brûleur à tartelettes parce que ce serait un vrai merdier et que ce serait pas pratique. Donc je me suis rabattue sur une bougie toute bête que j'ai trouvée au supermarché. C'est une bougie de la marque Febreze qui est au parfum crème de vanille. Donc ça, la boîte ressemble à ça. Donc elle brûle 30 heures, et puis voilà, elle ressemble à ça, c'est dans un verre comme ça. Et franchement, l'odeur est très 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 sympa. Il y a une bonne odeur de vanille, ça fait un peu crème brûlée, ouais. Et surtout, si je la finis avant la fin du séjour, je peux la retrouver facilement. Donc ça, dès qu'on arrive dans le gîte, une fois que tout est rangé, impeccable, je fais brûler ma petite bougie. Voilà pour ça. Ensuite, je vais vous parler des bouquins que j'emmène. Alors j'emmène des revues forcément, donc là c'est psychologie, c'est celui de septembre. Et puis pour le reste, je les achète sur place généralement. Donc là, comme celui-là je l'avais et que je n'ai toujours pas ouvert, je vais l'emmener. Et en bouquin, j'emmène, je vous en ai parlé aussi dans mon dernier haul, c'est le premier roman de Grégoire Delacour qui s'appelle L'écrivain de la famille. Petit roman donc que je pense lire rapidement. Ensuite, un commentaire d'une de mes abonnées qui s'appelle Caroline, elle m'a donné envie de lire le bouquin de Tatiana de Ronay qui s'appelle Spirale. Donc qui est une histoire un petit peu hitchcockienne d'une femme qui prend un amant et cet amant malheureusement meurt un soir où ils sont ensemble. Et pris de panique, elle s'en va et elle laisse son sac à main et tous ses papiers auprès de cet homme. Et elle a qu'une envie, elle, c'est d'oublier tout ça. Et puis il va falloir qu'elle fasse tout ce qu'elle peut pour qu'on la retrouve pas et qu'on ne pense pas que c'est elle qui a tué cet homme-là, en gros. Donc je pense que ça nous réserve quelques moments de suspense et de tension psychologique, donc ça aussi, ça va être vite avalé. Ensuite, je me suis acheté, suite à le visionnage d'une vidéo d'une youtubeuse qui fait des vidéos sur les bouquins. C'est une youtubeuse, comment on appelle ça, livresque, il y en a plein qui font, il y a toute une communauté en fait YouTube de gens qui bouquinent énormément. Et cette fille qui est abonnée à ma chaîne aussi et qui s'appelle The Inspiration Road, je crois, si j'ai écorché ton pseudo, excuse-moi. Et c'est un thriller en fait qui s'appelle Juste une ombre de, attendez, j'enlève le machin en dessous, de Karine Jibel, je sais pas comment on dit, Jibel. Et donc c'est une fille qui est suivie par une ombre. Et a priori personne ne la croit, que ce soit la police, que ce soit son mari, que ce soit sa famille. Enfin elle va se retrouver complètement seule, angoissée par cette ombre qui la poursuit. Et puis voilà, ça a l'air d'être assez prenant comme bouquin. En tout cas, quand elle a raconté le roman, j'ai eu envie aussi de le bouquiner. Donc je me suis jetée dessus. Et comme il est sorti en poche, c'est beaucoup plus intéressant que de l'acheter en grand format. Donc voilà, ça c'est aussi de quoi me faire peur dans mon petit manoir. Non, je suis à côté d'un manoir. C'est un petit gîte à côté d'un manoir, dans mon petit gîte isolé. Et enfin, j'ai pris un bouquin
qui sera pour mon chéri et pour moi, et c'est le livre de Olivier Norek qui s'appelle Code 93. C'est un bouquin qui a été écrit par un flic et qui raconte le travail de la police en banlieue, dans le 93, dans le 9-3, je suppose. Et voilà, ça a l'air intéressant, donc on va se plonger là-dedans aussi. Donc voilà, pour les bouquins, c'est tout. Il y aura juste quelques revues que j'achèterai sur place. Et puis voilà. Au niveau de d'occupation, entre guillemets, il y a un truc que j'aime bien faire pendant les vacances, ce sont des mandalas. Alors, non, pas des mandalas, hein, je n'emmène pas Nelson avec moi en vacances, le pauvre. Il supporterait pas l'Afrique du Sud, la Normandie, je pense. Donc ce sont des mandalas. Alors qu'est-ce que c'est que des mandalas? Voilà, ça se présente dans un cahier comme ça. En fait, c'est tout bonnement du coloriage. Alors, je vais vous en montrer un. Voilà, alors ça se présente comme ça. Ce sont des figures géométriques généralement, avec des petits dessins dedans, qui sont présentées sous forme de cercle, comme ça. Donc, il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs types de. Voilà, on est dans un carré, mais tout est concentrique en fait, comme ça. Donc, j'en ai fait pas beaucoup en fait, hein, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, en voilà un que j'ai fait. Non, oui, on voit. Voilà, et un deuxième que j'ai commencé, que je n'ai pas fini encore. Donc il suffit, moi je prends des crayons de couleur. Et en fait, pour les gens très stressés et angoissés comme c'est mon cas, c'est une occupation qui permet de vraiment concentrer son attention sur ce qu'on est en train de faire. Donc on choisit une partie du mandala qu'on a envie de colorier et puis petit à petit on avance tranquillement à son rythme. Donc, ils disent bien que c'est pour se détendre, se rééquilibrer, se concentrer et se recentrer. C'est vraiment ça, c'est le but des mandalas, c'est de se recentrer sur quelque chose pour éviter de ruminer et d'avoir ces pensées qui partent. Ça, vous mettez une musique sympa en fond, donc soit pour moi du jazz ou du baroque, et je me mets à mes crayons de couleur et mes mandalas. Et c'est un petit moment d'occupation et de détente. Donc j'aime bien faire ça. Donc ça peut paraître un petit peu con-con pour certains, en disant, moi, elle est gentille, à 41 ans, elle fait du coloriage. Mais franchement, ça a une légère vertu thérapeutique, je dirais quand même. Puis c'est sympa, ça change des mots fléchés, des sudoku. Mon homme, lui, par contre, il fait des sudoku à mort. Je déteste les chiffres, donc je préfère faire du coloriage. Alors maintenant, je vais vous parler de thé. Forcément, je ne pouvais pas finir cette vidéo et puis vous laisser comme ça pendant des semaines sans voir ma tronche. Marc, ça va vous faire des vacances, hein, en même temps, de ne pas me voir pendant 3 semaines à moi. Et donc, je vais vous parler du thé que j'emmène avec moi en Normandie. Alors, ça, c'est la boîte originelle, voilà, mais je l'ai remplie avec des choses à moi dedans. Il n'y a pas. J'avais fini ce qu'il y avait dedans et j'ai pas acheté la boîte, je l'ai gardée et je vais pouvoir emmener mon thé. Donc je n'emmène que des sachets pour pas. J'ai pas envie de me faire du thé en vrac parce qu'il faut que j'emmène une théière, il faut que j'emmène mes filtres et tout ça. Donc j'ai opté cette année pour les thés en sachet. Donc j'ai tout ça. Voilà. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'emmène. Donc dans la rangée ici. Cette rangée-là, j'ai tous les thés que je vais boire le matin, et puis ici, c'est plutôt les tisanes et les thés que je vais boire l'après-midi. Alors, en thé du matin, qu'est-ce que j'emmène? J'emmène le thé des moines du Palais d'été, qui est un mélange de thé noir avec des épices, qui est inspiré d'une recette tibétaine, des moines tibétains. Donc, le thé des moines, ça va être sympa avec le. Voilà, qui est. Un des meilleurs thés du palais d'été. Si vous ne connaissez pas le thé des moines, il faut absolument que vous le testiez. Il est génial. Ensuite, j'emmène le Saint James. Putain, c'est chiant hein, le reflet. Donc, le Saint James, c'est un orange péco. C'est un thé du Sri Lanka.
donc assez lent, qui a une note chocolatée et ça le matin avec un nuage de lait, c'est super bon. Vraiment. Moi, je suis fan. Ensuite, donc c'est un thé d'origine, hein, il n'est pas parfumé celui-là. La note chocolatée, c'est simplement une note dans la liqueur, mais c'est pas un thé aromatisé. J'ai aussi pris un Darjeeling, donc ça c'est un thé indien, qui s'appelle Margaret's Hope. Et celui-ci, donc c'est aussi un thé d'origine, donc il n'est pas parfumé, mais il a des notes de fruits secs grillés. Il est superbe. Je l'ai bu ce matin et vraiment, il est très léger, il est très bon. On peut aussi mettre une petite touche de lait, mais la petite touche de lait ira beaucoup mieux dans le St. James que dans le Margaret's Hope. J'ai pris ensuite un petit Earl Grey pour le matin, de temps en temps. Donc, c'est le goût russe 7 agrumes, toujours du palais d'été, qui est très très bien. C'est un chouette Earl Grey qui a vraiment une touche importante d'agrumes. Et pour le matin, je crois que c'est. Et j'ai le thé des Lords, toujours du palais d'été, qui est un Earl Grey tout simple. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour le matin. Yes, I did. Ensuite, l'après-midi. Alors, l'après-midi. Attends, là j'ai merdouillé, j'ai remis du péco. Bon, le péco, c'est le matin, c'est pas l'après-midi. Alors, pour l'après-midi, j'ai pris quelques sachets de Vive le thé. Donc, c'est un thé vert avec du gingembre et des agrumes, citron, je crois. Bon, ça, pour l'après-midi, c'est sympa, léger et tout. Et pour les journées un peu pluvieuses, comme ça arrive souvent en Normandie, je me suis pris un thé de chez Damansfrères Frères qui s'appelle. Donc là, il n'est pas sous blister, c'est un petit peu con parce que j'ai peur que les arômes se barrent un petit peu rapidement, mais enfin, c'est pas grave. Il s'appelle le mélange des chérubins. Je vais vous montrer là. Et le mélange des chérubins, c'est un thé noir avec un mélange de chocolat et d'orange. Écorce d'orange et arôme d'orange sanguine. Ça, l'après-midi, c'est un vrai bonheur. Et là, on peut mettre aussi une petite touche de lait pour le rendre un petit peu plus gourmand. Mais vraiment, moi je l'adore. Dès qu'il fait un petit peu frais comme ça, c'est super sympa. Et puis j'ai pris quelques petites tisanes. Alors, une petite verveine bio de chez l'éléphant. Toute bête. Mais ça, la verveine, j'adore. Ensuite, j'ai deux tisanes de Ernst Richter's. Donc ça, c'est des tisanes que j'achète dans mon épicerie fine favorite de Montpellier, qui s'appelle chez Pinto, pour ceux qui sont de Montpellier. Donc il y a la tisane circulation. Alors moi, j'ai pas de problème circulatoire, mais je ne sais plus. Je reviens, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Revoilà. Alors, dans la tisane circulation, on trouve du fenouil, de l'amande verte, de l'aubépine, de l'amande poivrée, de la mélisse, des racines de réglisse et du romarin. Et franchement, elle a un goût génial. Donc moi, je ne l'utilise pas pour ses vertus médicinales, entre guillemets, mais vraiment parce que je la trouve bonne. Et j'en ai une deuxième qui s'appelle la tisane. Attendez, parce que c'est tout en allemand. Alors. C'est une tisane pour réguler la digestion. Toujours de chez Ernst Richter's, j'y arriverai. Et dans celle-ci, alors faut pas en boire trop souvent celle-là parce qu'elle a tendance à être un petit peu laxative. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Patata. De la racine de rhubarbe, de la racine de réglisse, de l'anis et des feuilles de menthe poivrées. Donc ça, le soir, si vous avez des problèmes de digestion, vous en buvez une. Et c'est le bonheur, ça vous fait vraiment du bien et ça vous aide à digérer, mais réellement, réellement. Et je me suis pris aussi deux petits sachets, mais ça je vais pas en boire trop, donc c'est pour ça que j'en ai pas pris plus que ça. J'ai pris un thé vert japonais, un Sencha Ariake, tout simple, très léger, que j'aime bien boire comme ça l'après-midi. Mais j'ai surtout misé sur
le thé le mélange des chérubins de chez Daman, parce que je pense qu'on va avoir de temps en temps des après-midi pluvieuses. Et boire une tisane comme ça en écoutant les nocturnes de Chopin, par exemple, c'est un vrai, vrai, vrai bonheur. Donc voilà pour le thé. Et j'ai emmené quelques DVD, mais bon, il n'y a rien de très excitant. Qu'est-ce que j'ai amené? J'amène les saisons de Rome, tous les épisodes, parce que mon homme est fou de cette série, donc c'est surtout pour lui que j'ai pris ça. Donc on a de quoi voir venir. Rome, Rome, Rome. Eh ben dis donc. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris 36 Quai des Orfèvres, c'est un polar qu'on adore et qu'on regarde régulièrement sans problème. J'ai pris La Passion du Christ. C'est un film que mon homme n'a toujours pas vu, donc je vais essayer de lui faire regarder pendant... Donc c'est de Mel Gibson, et toujours de Mel Gibson, on a pris Apocalypto aussi, qui est pas mal du tout. C'est pas mon type de film que j'aime particulièrement, mais Apocalypto est pas mal. Ensuite, de Clint Eastwood, réalisateur, on a pris Les Lettres d'Iwo Jima. Et puis, La Mémoire de nos pères, forcément, ce sont... Les deux font la paire. On n'a toujours pas vu ça, mais bon. On aura bien le temps de se les mater pendant les vacances. Je me suis pris... Enfin, on s'est pris parce que c'est un de nos films préférés, Garde à vue. Garde à vue, c'est un monument du cinéma français. Donc ça, si vous ne connaissez pas, c'est à voir de toute urgence. C'est un polar en huis clos avec Cero et Ventura. Qui sont... Il y a aussi une petite apparition de Romy Schneider. Ils sont... magnifique dans ce film, génial. Je me suis pris une petite pièce de théâtre avec Jacqueline Maillan, que j'adore, qui s'appelle La Facture, au théâtre ce soir. J'aime beaucoup au théâtre ce soir, ça me rappelle mon enfance, on regardait ça à la télé et il y avait des pièces de boulevard super. Et Jacqueline Maillan était une grande comédienne de théâtre de boulevard. On s'est pris aussi Main Streets de Martin Scorsese avec Robert De Niro. Voilà. On s'est pris. Je ne sais plus qui c'est. Kagemusha, je dirais que c'est de. Oh, Kurosawa peut-être. Bon, bref, Kagemusha, donc c'est un film japonais. Vous me dites hein, si je me gourre, mais je crois que c'est Kurosawa. Puis de Benex, on s'est pris. Non, pas de Benex du tout, de Jean-Pierre Jeunet. Un long dimanche de fiançailles. Voilà. Et enfin, un film que moi j'adore, mais qui est très spécial. C'est un film avec Philippe Noiret et Annie Girardot, et qui s'appelle La Vieille Fille. C'est l'histoire d'une vieille fille qui part en vacances dans un genre de pension de famille, et qui rencontre Philippe Noiret. Et il va se lier entre eux une histoire amour-amitié. C'est très très particulier, mais j'aime beaucoup ce genre de film. Donc voilà. Pour l'instant, ce qu'on a prévu d'emmener, mais c'était amené à évoluer. On a encore une journée pour se décider. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour tout ce que j'emmène en vacances. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis moi, je vais vous faire de très gros bisous. J'emmène mon caméscope en Normandie. Alors, je ne sais pas si je posterai des vidéos quand je serai là-bas. Mais en tout cas, je vais vous filmer des images du gîte, de son environnement, du manoir qui est juste à côté, qui est magnifique. Et si je ne poste pas pendant mes vacances, je vous posterai tout ça à mon retour. Donc, je vous promets rien, on verra bien. En tout cas, bon courage à toutes celles qui ont repris le boulot. Bon courage à toutes les mamans qui vont avoir la rentrée dans pas longtemps. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à dans quelques semaines ou un petit peu plus tôt si je peux vous poster des vidéos de là-bas. Mais je vous promets rien. Comme ça au moins vous ne serez pas déçus. Et donc et ben, à très bientôt. Gros bisous et merci encore pour tous vos abonnements. Vous êtes super sympas. Allez, ciao.